for me to have my breakfast. Je suis actuellement en English communication. Les cours dans 10 minutes et j'ai plein de trucs à vous dire. Ok, bon les gars, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il est actuellement lundi, du coup 15 novembre et il est 11h30, j'ai fini mon cours d'anglais. Programme, demain j'ai cours, sauf que à 15h30 je dois aller prendre un train parce que mercredi toute la journée j'ai une journée de tournage avec juste Zoé. J'ai trop hâte. Et de base on devait partir mardi matin, enfin mercredi matin, mais au final c'est genre il n'y a pas de train, du coup on doit y aller et on doit partir mardi soir. Du coup, enfin mardi soir, mardi après-midi, du coup à 15h30. Du coup faut que je fasse ma valise pour demain. Ensuite mercredi toute la journée j'aurai tournage et tout. Et après je sais pas si je reviens genre mercredi soir ou jeudi matin, si je dois passer à Paris ou si j'ai direct un train pour revenir à Lyon. I don't know. En tout cas voilà, ce matin pour m'organiser parce que j'ai plein de trucs à penser et tout et ça me stresse, fais une to-do list parce que sinon je vais être perdue. Donc aujourd'hui j'ai fait mon anglais, j'aurai cours après, ensuite cet après-midi j'ai sophrologie, faut que je fasse une justification pour un cours, enfin bref, du coup j'ai pas mal de trucs de cours et là j'ai fait un petit truc perso, genre j'aimerais regarder Dynasty, filmer du coup, faire une playlist et faire des TikTok. Mais du coup là tout de suite faut absolument que je fasse une justification pour un exo et tout en français. Du coup, je vais faire ça et après, on verra. Yo, il est midi et demi. Je vais juste m'apprendre des salades composées, j'ai pas faim mais je vais histoire de manger quoi. J'ai fait mon montage, j'ai fait tous les trucs de cours, je reprends à 14h, du coup c'est pas mal. Et après on va devoir s'occuper de cette valise parce que ça me stresse de prendre le train et tout, de faire mes valises, ça m'angoisse. Du coup je vais m'en occuper bien pour rien oublier parce que je me connais, je suis un petit peu débilos. Meilleur truc pour mettre dans ces salades, comment je kiffe, j'en mets 3 tonnes. Salade, thon, oignon, maïs, tomate, salade, sauce soja. Oui, je mets de la sauce soja au lieu de la vinaigrette parce que je préfère. En même temps que je mange, je regarde le vlog de Eileen et là, je me suis fait un petit dessert. J'ai fait fondre du Nutella, j'ai mis de la poire, du yaourt et de la pomme. J'arrive pas à la choper. Yo, on se retrouve bien plus tard, j'ai une dégaine horrible, j'en peux plus, j'ai trop mal à la tête, je suis au bout de ma vie, vraiment je me sens malade et tout, j'ai pas arrêté de bosser de 14 à 18h, il est 18h et là j'ai atelier sophrologie pendant 1h30, du coup voilà ça va se passer en distanciel, j'ai vite fait ma valise mais je monte tout ça après, puis après j'aurai ma chambre à ranger, genre c'est un peu le bordel mais ça va. Du coup voilà, là j'ai atelier sophrologie et j'ai envie de dormir et regarder des TikTok, mais bon écoute c'est la life. Hey, bande de chacals, ce soir nous allons partir sur des croque monsieur, jambon fromage et chèvre jambon. Moi je vais prendre des chèvres jambon. C'est très healthy, c'est vraiment pas du tout industriel, c'est vraiment parfait. Croque monsieur, non. Et c'est parti, ça va au four. A tout à l'heure. Tadam. Donc ils sont prêts, du coup on va se régaler le bidou et avec un peu de thon et de maïs. Nous sommes today à mardi 16 novembre, là il est 10h donc j'ai eu mon premier cours de culture générale, j'ai fait mon cours dans mon lit. Là je vais me maquiller, je vais me lisser les cheveux, je vais prendre mon petit déj, il faut que je passe chez ma mère pour un jean. Et aujourd'hui je pars du coup prendre le train pour aller au tournage avec juste Zozo. Il faut vraiment maquiller cette grosse tête là. Bon bref, vous ça va comment la vie d'un loca? Moi hier, mon dieu les gars, hier j'étais en panne, genre je sais pas, en fait j'étais hyper stressée. Et même du coup je sais pas, ouais parce que j'ai arrêté de vous filmer assez tôt hier parce que justement genre j'étais en mode en bad mood. Vous voyez, j'avais atelier sophrologie et j'ai commencé à le faire mais en fait j'arrivais pas du tout à me concentrer, je sais pas, j'étais vénère, j'étais stressée et tout. Et en plus je captais super mal, du coup je comprenais un mot sur deux, du coup impossible de faire de la sophro quand genre t'entends un mot sur deux quoi. Du coup bah j'ai arrêté et tout.
coup j'ai pas pu faire la fin de la séance. J'étais un peu dégoûtée. Mais bon, après les croque-monsieur et tout, ça m'a remonté le moral. Non, hier soir du coup Zoël m'a envoyé le programme du tournage. Donc je vais conduire un tracteur normalement. Donc ça me fait vraiment vraiment rire. Faut savoir que je suis vraiment pas une femme de la nature. Genre moi je suis une villarde. Genre je suis une personne de la ville, t'as vu. Et du coup ça va être super drôle. Genre je vais bien sortir de ma zone de confort. Ok, je viens de finir mes cours de ce matin. Il est 13h. Là l'opération c'est s'habiller. En plus ce matin j'ai fait une tâche. Genre j'ai mangé du Nutella et bref, anyway. Je suis allée chercher chez ma mère mes fringues, donc c'est nickel. Là je vais ranger ma chambre, me changer, mais je reste en tenue de chill hein, parce que je vais prendre le train. J'ai enfin reçu mes billets de train, genre je les ai reçus là il y a 10 minutes alors que je prends mon train dans 2 heures. Super. Et je vais aller manger, j'ai pas très faim parce que j'ai grave grave petit déjeuner, du coup je vais me faire genre saumon et haricots verts, je pense. Et voilà. Bon, veuillez excuser ma grosse tête de chacal, mais écoutez les gars, je suis en panique là. Faut que je m'habille. J'aimerais bien me relaver parce que je me suis lavée hier soir, mais je sais pas, je pue genre, j'ai transpiré, j'ai stressé, j'ai l'impression de sentir la patate poulie. Il y a personne chez moi et quand il y a personne chez moi, j'adore crier. Wow wow wow. J'arrête mes bêtises. Ah ouais. Là, ça va être clairement. Avec Aubert et saumon surgelé parce que vas-y j'ai pas le temps. Ce soir on va aller au resto. Ils savent me prendre par les sentiments. Du coup je vais manger. Et voilà. C'est parti les amis. On va manger du saumon et des haricots verts. Nickel. Je suis de super bonne humeur. Ça tombe bien. Oh j'ai mes règles. C'est super nul. Et j'ai un gros bouton. Oui je suis dans une position bizarre. J'ai jamais eu de tournage dans ma life. Et là j'ai un tournage et j'ai un gros bouton. Non mais sérieusement, je crois que les esprits se sont connectés. Vous êtes... Il est énorme. Oh fuck. It's so huge. Yo 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 yo. Glou 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 glou. Ce midi, on est vraiment très healthy. Nous avons donc du saumon, des haricots verts et des carottes. Et j'ai mis de la sauce curry dessus. Et c'est trop bon. Vraiment là, après j'ai cours à 14h, mais j'ai mon bus à 14h. Du coup, ça fait qu'il y a un petit couac, il y a un petit problème. Mais on va se débrouiller, je ne sais pas comment, mais on va se débrouiller. Parce qu'à chaque problème, une solution. Et s'il n'y a pas de solution, il y a un pot de Nutella qui va te réconforter. Donc, dans tous les cas, moi ça me va. Je pars dans 40 minutes, 30 minutes. Faut que je me dépêche. Mon assiette est toute vide. Enfin, il reste une sorte de queue de haricots. Mais ça signifie que j'ai bien mangé. Yeah yeah yeah. J'ai débarrassé, j'ai la bouche en feu les gars avec le curry. Un peu trop curité, t'as vu genre ça brûle. Je bave tellement ça brûle. Genre j'ai perdu toute mobilité de ma langue. J'ai bien mangé, j'avais oublié de vous filmer. But tonight c'était pizza quatre fromages. Voilà ce qu'il reste. Par contre il y avait du bleu, j'aime pas les morceaux où il y a du bleu. Du coup moi je prenais toutes les autres parts. Et j'ai laissé ça là, berk berk berk. Et oui je sais aussi, choquant que ça puisse paraître, je n'ai pas pris chèvre au miel ce soir. J'ai décidé de changer et j'ai regretté. Je préfère chèvre au miel. Prochaine fois ce sera chèvre au miel, promis. Je me suis réveillée, j'ai regardé ma petite série, j'ai pris mon petit déj et tout.
là faut que je fasse mes devoirs, c'est important de travailler. Et juste après je vais filmer une vidéo, donc en fait je vais le faire maintenant, je ferai mes devoirs après mais ça c'est un secret entre nous. Du coup je vais tourner une vidéo, je vous dis pas quoi parce que je ne sais pas quand sort quoi. Du coup voilà, et les gars, grand move, oh my god, ce matin, c'est officiel, j'ai un agent. C'est un truc de ouf, je vous en reparlerai, je pense que je ferai une FAQ parce qu'il y a eu pas mal de changements, d'évolutions et tout via mes réseaux. Mais en tout cas là je vais filmer une vidéo, yeah. Hello, hello les ploucs. Bon, on se retrouve bien plus tard. Entre temps, j'ai fait mes devoirs, j'ai répondu à tes commentaires, j'ai fait du montage. Mais je me suis dit que ça allait être un peu répétitif, du coup je préfère vous montrer un peu le soir. Et voilà, je vous montre surtout ce que j'ai fait à bouffer parce que c'était trop bon, du petit riz coco curry là. Mmh, poulet, un délice.